Ah, enfin une nouvelle zone. Bon, j'ai mis quasiment 1 h 15 de moins que cette nuit. Bon, nouvelle zone. Oui, parce que je me renseigne. Temple scrabanien. Je vais avoir des camarades à sauver ici. D'accord. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Je sais juste que j'ai des camarades à sauver. Et que le temple... Oh non, c'est une zone avec des portes. Mais la nuit dernière, la dernière zone avec des portes, ça a duré 3 heures. Bon, pour l'instant, je ne triche pas. Je me suis juste renseigné. Je n'ai pas triché. Alors, il y a un truc derrière. Mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, je n'ai pas le droit de faire ça. D'accord. Il y a un creux là. Punaise, il y avait bien un truc caché ici. S'il faut, c'était vraiment là qu'il fallait aller en fait. C'est la zone cachée. Allez, go. On va aller sauver du monde. Non, j'ai dit go par contre. J'ai dit go. Voilà. Alors, je suis en haut. Il y a de la fumée. C'est par en bas qu'il va falloir faire échapper mes camarades. Il y a un ennemi dans la fumée. Il y a une mine. Je ne vois pas en haut l'écran. J'ai tué 48 de mes camarades déjà depuis le début du jeu. Je vous le dis de suite, le 100% c'est mort, hein. De toute manière il y a des victimes. La bonne fin c'est mort aussi, ça c'est clair. Il me reste pas grand chose. Bon, on va prendre le contrôle de lui là. Allez, des bisous. Voilà, un à moins. Donc ça, ça sera la sortie. Mais pourquoi il y a de la fumée? Oh punaise, il y a une niche, ça veut dire qu'il va y avoir des chiens. Il m'a bouffé, mais j'étais dans la fumée! La désamorcer. Bon, on va tracer. Mais comment j'élimine les chiens? Suicidé le mec, hein. Ou alors je ne le contrôle pas le mec. Je vais dans la fumée, je désamorce la bombe. Oh, il est encore là, revenu ce bot, mais c'est pas possible. Il y a des gens, ils ont vraiment que ça à faire. Hein. Je vais les enlever de l'écran, tant pis. Tant pis, c'est pas grave, je suis désolé, mais... Sérieux, quoi. C'est parce qu'en fait, on n'a pas mis de bot spécifique au chat sur les follow, etc. C'est pour ça. Mais avec tous les différents caractères qu'il y a pris, je peux même pas faire quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est quoi là? He's after you.
Voilà. Bon, allez, je suis désolé, je désactive les alertes, hein. Tac. Enfin, je les désactive. Disons, vous les entendrez plus, vous ne les verrez plus. Moi, je les verrai du coin de l'œil, mais ça me dérangera moins. Mais ça, c'est ça, mais moi aussi j'aimerais bien comprendre, ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. Hein. C'est ça le truc. Et malheureusement, Twitch, pour le moment, ne sait pas quoi faire par rapport à ça. Ils vont y réfléchir et ils proposeront une solution en décembre. Donc en gros, ils se laissent 3-4 mois pour réfléchir, ce que je trouve beaucoup par rapport à ça. Sachant que ça fait des années, enfin des années, au moins 1 an que le problème existe, qui s'est même amplifié avec des phénomènes beaucoup plus graves, même liés à ça. Donc à un moment donné, il faut que la plateforme fasse quelque chose, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu grève Twitch au début du mois, que ça a été quand même pas extrêmement massivement suivi, mais il y a eu quand même des répercussions sur Twitch. Donc c'est pour ça quoi. Mais ça n'arrive, ces bots-là ne s'attaquent pas forcément aux gros streamers, en fait ils s'attaquent aux petits streamers et aux moyens streamers, enfin petites chaînes et moyennes chaînes du coup, et c'est dérangeant parce que enfin c'est dérangeant. Là, le bot, il va pouvoir s'amuser à venir pourrir s'il veut. Vous ne verrez plus les alertes, vous ne les entendrez plus temporairement. Moi, pareil, mais je le verrai juste sur Simlabs, comme quoi il y a quelqu'un qui a tenté de faire quelque chose. Par contre, ça va pourrir le nombre de follow jusqu'à ce que Twitch envoie le robot nettoyeur, on va appeler ça comme ça, et du coup, le nombre de follow va redescendre. Et des fois, le robot nettoyeur, il nettoie un peu trop. Donc voilà, c'est chiant, quoi. Donc bon. Oui, bien sûr, ça bousille les stats de Twitch, mais après, du coup, ça redescend d'un pet et des fois, ça enlève carrément. Il y a eu une jeune streameuse française, il n'y a pas si longtemps que ça. Quand Twitch a fait le nettoyage derrière, elle a perdu l'intégralité de ses followers, alors qu'elle en avait plusieurs centaines de vrais followers. Elle a dû tout refaire de zéro. C'est pas normal. Et Twitch n'a pas été capable de revenir en arrière. Donc elle a dû tout refaire de zéro. Alors qu'elle commençait à vivre de Twitch. Donc bon, comme quoi. Mais il est même pas en train de regarder le stream en fait. Ce bot-là n'est même pas dans la liste des viewers. C'est ça le truc. Donc là, je le banne à la main à chaque fois que je vois son truc. Mais quand il est avec le pseudo, avec tous les L, machin, c'est des caractères spéciaux, donc je peux pas faire grand-chose. Mais par exemple, le machin is after you, puis giver. Le AA, le Army, etc. Tout ça, j'ai pu les banner à la main. Mais ce qu'il aurait fallu, parce que là, encore, ça va, c'est gentil. Pardon, c'est gentil parce que la personne, ou enfin le bot, a toujours le début du même pseudo. Donc ça va à peu près. Là, il aurait fallu un outil comme à l'époque sur Rivalis, où c'est on a le début du machin, c'est point ban début du machin, après XX, et après le XX, c'est peu importe ce qu'il y a après, c'est banni directement. Et là, le mec, il aurait pas pu revenir du tout. Mais bon. Après, ça fait des dommages collatéraux, mais bon. Non, non, mais enfin, tu m'as compris, quoi. Bon, de toute façon, faut que je refasse le try là, parce que c'est mort. Ah oui, d'accord, donc ils peuvent m'attraper même si je. Ok. Bon, alors, ici, je pense qu'il faut que j'aille dans la fumée. Je pense que c'est vraiment ça, c'est aller dans la fumée, désactiver la chose. Ensuite, je remonte, je prends contrôle de la créature. J'essaye de dégager tous les chiens. Par contre, comment je gère la créature qu'il y a sur la plateforme là-bas? Ça, je sais pas.
C'est dangereux quand même, une commande avec caractère générique. Oui, je suis d'accord. Non, j'étais dans la fumée là. J'étais dans la fumée. Là. Alors par contre, s'il se prend pas mes pieds dans la tête, c'est que je comprends pas. La valeur sûre, c'est le ban IP. Bah, je l'ai jamais aimé l'utiliser, mais c'est vrai que parfois, bah, on n'avait pas le choix. Hein. Non. J'y étais. Bon, j'ai appuyé sur le bouton. C'est déjà pas mal. Un script absent par un VPN. Oui, mais ça d'accord, mais à l'époque de ce qu'on parle avec Rimfire, les VPN, il n'y en avait pas tellement. C'est comme ça que l'on banne des cybercafés. Exactement. Il m'a pas vu. Juste toi, en rebootant ta box, tu peux changer d'IP. Oui, ça dépend. Moi, j'ai demandé une IP fixe. Je suis un peu bête en fait. Je suis même beaucoup bête. Le n'importe quoi. Il m'a pas vu là? Là il m'a pas vu? C'est une blague? Alors la solution. Vers la droite. Mais je suis allé à la gauche moi. J'ai raté quelque chose. Je crois que j'ai raté quelque chose. Bah non, c'est la zone secrète où je suis. Bah, elle est mal foutue la solution. C'était à gauche, il fallait pas à droite. Voilà. Attendez que le slick parte tout à l'heure. Sauter dans l'écran de fumée. Ensuite, allez sur la gauche. Une fois que le slick sera tout à gauche, positionnez-vous près de la mine. Une fois qu'il est tout à gauche.
À droite, vous voulez dire. Désactivez-la avant de retourner dans la fumée. Attendez qu'il repasse une nouvelle fois. Montez sur la plateforme. Voilà. Bon, ça, c'était ce que je voulais faire de base. Une fois qu'il est envoûté, les niveaux s'ouvriront et vous devrez tirer sur les chiens. Ok. Ensuite, ils seront, il n'y aurait plus de chiens. Ensuite, on reprend le contrôle d'ab. Envoûter le sigle là-haut. Oui, bah en fait, c'est tout ce que je voulais faire de base. Quoi. Ok. Je te présente Cartapus. Punaise, oui, c'est exactement ça. Alors. Reviens à la fumée. Hop là, vite. Punaise, c'est deux pas qu'il faut faire. Comment il m'a vu ? Bon courage, Napta. Mais là j'ai fait une... Ça sert toujours. Voilà. Hop là. Ça c'est fait. Maintenant, on l'envoûte. Nickel. Allez, les coups, venez. Voilà.
Voilà. Voilà, nickel. Je peux passer à travers. Non, ceux-là, non, je peux pas passer à travers. Je suis obligé d'aller sur l'autre. Voilà, ça c'est fait. Cette zone secrète était plus simple que celle d'il y a très longtemps. La seule autre que j'ai faite, en fait. Donc... Allez, ça a été sauvegardé. Maintenant, on peut revenir ici. Tac. 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 Hop là. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La secrète, c'est fait. Zone secrète. Une fois la zone secrète terminée, partez vers la droite tout en vous cachant derrière les pierres. Pas vous faire repérer. Une fois au bout. Il faudra attendre que le slick parte tout à droite, désactiver la mine, sauter afin de rejoindre le temple avec toutes les portes. Mais cette zone secrète numéro 2, parce qu'il y en a une deuxième, elle est où? Entrer dans la porte 7. Oh, ça va, j'ai le temps. C'est dans 3 heures. Allez. Punaise, il y a une mine au sol. La balle perdue. Tac. Je peux pas les contrôler. Apparemment non. Je me sauve, bon courage. Bisous Rim. Bonne nuit. Fais pas ça. Mais il y en avait après aussi. Allez, ça c'est fait. Nombreux sont ceux qui ont échoué face au péril Scrab, mais à la tête de son peuple, Abe est différent.
D'accord, et sinon j'ai le droit de lire en fait, peut-être. Allô? Ok, c'est juste moi qui étais nul en fait. Les Scrabs sont farouchement attachés à leur territoire. La seule chose qu'ils apprécient encore plus que de grignoter, des Mudokons et de se battre entre eux. Si tu en aperçois un, cours. Si tu en aperçois deux, réjouis-toi du spectacle. Ah, c'est l'inverse des minces, des mythes, là, comment ça s'appelait? Des paramythes. Le silex. Nos temples ont vécu dans la nuit depuis que le cartel de Magog a réduit les Mudokons en esclavage. Allume les feux sacrés en utilisant des silex dès que tu en trouves. Tu ne seras admis à la cérémonie d'initiation du temple que si tu as utilisé tous les silex. Bon, jusque-là, ça va. À quoi faut-il pouvoir descendre? Genre comme ça. Alors, on a des portes ici. Ok. On a des portes ici. Il y a 8 portes. Il y a 8 portes. Génial. Scrabania. Il y a bien 8 portes. Donc, en gros, si on a mis 3 heures pour faire 6 portes la dernière fois, je vais mettre 4 heures, quoi. Oh, sérieux, c'était pas utile ça. La porte 1, on va dire que c'est quoi celle-là là? Go. Alors, oh punaise, génial. Faut vraiment que je tombe? La réponse est oui. Ah mince! J'avais pas vu qu'il me voyait. Danger là, il y a danger, voilà, je meurs. Faut avancer le monstre là. Voilà. Ça c'est fait. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai quand même avancé. Alors par contre, je veux juste...
Alors cette position est nulle, mais je veux juste descendre en fait. Voilà. Il y a un truc en bas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en bas sur la droite. Non, il n'y a rien en bas. C'est des gros pics, c'est pas bon. Là, il y a un tunnel. Il y a un levier aussi. Le tunnel, le tuyau va nous amener en face. On voit qu'il y a un checkpoint. Voilà. Il y a peut-être un truc sur la droite, la gauche en fait. Non, il y a des chiens! Il y a des chiens! Ben oui, bien sûr, il y a une ouverture. Qu'est-ce que tu crois? Jamais trop cool. Il y avait une stèle. Il y avait une stèle. J'ai raté la stèle. Elle est devant moi, la stèle. Punaise. La stèle Denis. Jeu de mots. Ça fait une porte en pas si longtemps que ça au final par rapport à hier. Pendant ce temps, le bot a continué de follow, hein, je vous le dis, et pas qu'un peu, hein. Du coup je vais faire j'en profiter pour le bannir, hein, encore. Tac, cache van. Je devrais me faire un copier-coller de son truc. Os, os. 00312. Et après, il y a des sous-tirés à chaque fois. Copier. Voilà, comme ça, j'aurai juste à le recoller. Et après, c'est, je peux mettre quoi? C'est is not a bot? Ok. Is not a bot. Voilà. Ensuite, on a Aswan. Ensuite, he's the best. Génial, il est content. Il, en plus, il a des pseudos de kéké, quoi. Voilà. Et ça. Tac. Voilà. Oh. Voilà. Allez. Ben on va faire
dans l'ordre, je vais aller monter ici. Tac. On va faire cette porte là. Là, je récupère des gros cailloux. D'accord. Il y a une plateforme pour aller en bas à gauche. Il y a une bébête ici. Il y a une bébête ici. Est-ce que j'ai le droit de rouler entre les deux ou pas? J'ai pas l'impression. Peut-être que oui, je ne sais pas. Ensuite, là, il y a le feu. Là, il y a les cloches. Là, il y a un levier. Et ça, ça sera à la sortie. Et j'entends une mine quelque part. Je pense qu'en fait, ouais, je suis obligé d'aller sur la gauche pour après remonter par la droite. Il faut pas que lui soit tout seul, sinon il va me manger. Descends, Abe! Mais il met 50 ans là. Bon, ça, ça va, je pense avoir compris. D'accord, ça, j'ai pas le droit. C'est sensible, c'est bête. Non, remonte. Là, c'est moi. Là, c'est moi. J'ai appuyé sur le bouton. J'assume. J'assume complètement. Ok. Ça, c'est fait. Alors. Roule, roule, roule. Où est la mine? Oh punaise, il y a des mines. Ah, attendez. Voilà. On vient ici. On roule. On appuie sur la pierre. Voilà. Attendez, que je regarde ici. Que sur... Oui, il y a une bestiole sur l'étage ici. Mais elle a l'air d'être gênée. J'ai le droit d'aller jusqu'au levier, d'accord. J'ai le droit d'aller jusqu'au levier. Donc là, il y a un checkpoint, parfait. Alors, le levier, il sert à quoi? À activer la, ça, d'accord, très bien. Et moi, comment je vais être rapide? Ok. Ok, il faut que j'attende que la bébête aille plus loin encore. De me mettre ici. Là, normalement, elle ne m'attrape pas. Voilà. Là, c'est bon. Alors, les cloches. Voilà. Allez, et deux. J'espère qu'il n'y avait pas de zone secrète là-dedans, hein, en vrai. On avait dit porte 7, donc... Et de 2. Ensuite. Alors, il y a quelque chose là-haut. J'ai un tunnel là-haut. Il y a un tunnel fermé, je
pense, où il y a quelque chose. Si c'est un tunnel fermé sur le milieu, il y a un levier à gauche. Au premier plan devant, là, il y a un checkpoint. Il y a le feu aussi, d'ailleurs, il est juste devant, je l'avais pas fait gaffe. On va voir. Bon, déjà, je vais dire qu'il y a besoin du levier. Hop là. Ah, il y a bien un tunnel. Ok. Donc, je vais d'abord... Ah. Tout ça pour ça. D'accord, ok. Y'a rien, y'a pas de zone secrète. Non. Ok, alors on prend ça. Et j'atterris ici. D'accord. Donc j'ai le droit de descendre d'un cran. Je vois ce qui se passe au premier plan, donc vous en faites pas. Ça va être tendu d'ailleurs au premier plan là. Est-ce qu'il y a une bébête au fond là? Non. Checkpoint. Je vois pas du tout ce qu'il y a. Non, il n'y a pas de zone secrète. Non. Par contre... Ok, les bébêtes réagissent. Bon, je fais une invocation, mais ça ne leur fait rien. Okay. Mais il y a un tunnel là, en fait. Et il va m'amener où? À gauche ou à droite? Ah, ici, d'accord. D'accord, donc je suis vraiment obligé d'aller sur le tunnel de tout à gauche. Donc d'attendre que la créature revienne sur la droite. Par contre, il y a... Il y a un truc sur la tout à... C'est bizarre quand même. Saute ! Punaise, il y avait... D'accord, ça se continue ici. Très bien. Et maintenant, il y a un tunnel en bas là, je le vois. Il y a deux leviers. Non, ne pas. Ah, il reste là. La bébête reste là. Ok. Encore une fois, il y a quelque chose là-haut. Mais je n'y ai pas accès. Mais il y a un premier levier ici. Qui a ouvert un autre tuyau. Je vais supposer que c'est le tuyau qui m'a remis ici, celui-là. Là. Mais par contre, il y a ça là. Ok. Et maintenant. Ok, j'ai le feu. C'est génial. Mais maintenant. Oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ça non plus. Alors, au cas où si je meurs. Hein.
Ok, et là je reviens ici. Ah, les cloches elles sont au-dessus de moi, d'accord. Ok, ça c'est fait. J'ai pas intérêt à me tromper. Là ça peut, ça ne pourrait être plus que de la maladresse, mais normalement ça devrait être bon. Voilà. Et 2-3. J'espère que j'ai pas oublié une zone cachée en fait. Vu que je comprends pas comment pourrait être numéroté en vrai les portes. Ok, il y a des choses derrière. La stèle est derrière, on la voit. Les créatures me font penser à des droïdes casse dans Star Wars, je sais pas vous. Hop, bonjour. Les cloches sont ici. Attends, ils sont en train de se battre. Mais... faut se souvenir de l'énigme du début en fait. Ah! Il y a quelqu'un qui a gagné quoi. Bon, j'ai à peu près compris, mais par contre, il en restera quand même un quoi. Oups. Bon, c'était mort. Bon, la sortie est à gauche. On la voit, la sortie est à gauche. Il faudrait peut-être que je me dirige vers la droite en premier. Mais la créature est déjà à droite. Allez-y, battez-vous, Loubi. Oups. Je suis tombé dessus. Elle m'a embroché de son bec. Si on peut appeler ça un bec. Il y en a une ici, créature. Elle est tombée tout à l'heure sur la plateforme de droite. Donc techniquement, c'est que je peux encore plus les faire tomber en bas pour les faire se battre entre elles. Oups. Abe, vite. Eh, hey, mais cours, punaise. Tunnel. Voilà.
Ah oui, il y a un autre tunnel, tiens. Il sert à quoi ce truc? Il y a pas un truc en dessous là? Si. Et à mon avis, il y a un truc en dessous. Hein. Il faudrait d'abord que j'élimine la créature avant. Oh, j'atterris là-bas. Ok. Mais je suis sûr qu'il y avait quelque chose autour. Il n'y a pas de chien, on est d'accord, il n'y a pas de niche. Ok. Ça, ça sert à quoi? Allumer le feu. Ça, ça sert à avoir les cloches. Ça, c'est le checkpoint. Mais je vois pas. Il y a un tunnel, il y a une créature. Le tunnel, il est en plein milieu, allô. Hop là. Bien. Le truc, c'est que si je meurs, j'ai besoin de la stèle. Donc là, le checkpoint. Voilà, ça vient rapide. Ok, il n'y avait pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas du tout. Où est la créature? Elle est là. Préparez-vous à courir. Maintenant. Maintenant! Non, j'ai une sauvegarde rapide, je la récupère. Allez, petite créature. Cloche. Voilà. Et maintenant, il suffit juste, enfin, suffit, c'est facile à dire, attendre qu'elle passe. Au revoir. Une porte en plus. Ça a l'air plus simple que vraiment la zone, les portes de la zone précédente, mais autant se méfier, il reste encore des portes. Oh punaise, il y a le bot qui revient. J'ai un ascenseur, une créature, là une flèche qui me dit de monter. J'ai un levier. Il est sorti d'où? Je crois que j'ai fait bugger le jeu. Voilà. J'ai pas tout compris là, j'avoue. Allez, c'est de nouveau la mort. Voilà. Bon, les cloches sont sur la droite. Le feu est sur ma gauche. Par contre, où est la stèle? Voilà, ça c'est. Allez, le feu. Ah, génial. Yeah.
C'était la sortie, punaise. Est-ce qu'il y a des choses secrètes? On va dire que oui. Je pense que la stèle est en haut. J'aurais dû faire une save, j'ai pas pensé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Punaise! Hop là, je suis en sécurité. La petite save. Au revoir. Voilà, service d'ascenseur gratuit. Ah bah tiens, un checkpoint. Tac. Ah. Allez, zone secrète, on va pouvoir sauver des gens. Employé, il en reste 215, victime 48, s'évader 36. Bon, logiquement, j'ai le droit d'aller en dessous. Ou pas, j'ai pas le droit d'y aller, d'accord. Et elle me piétine en plus. Mes camarades sont là-haut. La porte est en bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour passer? Pour l'instant, je vois pas comment faire. Comment je peux passer moi là-dedans? Descends, descends. Mais elle reste là. Je suis complètement bloqué là en fait. Je suis complètement bloqué. Alors. Le truc c'est que si je fais ça, non ils ont pas l'air de bouger, la créature non plus d'ailleurs. Je pense qu'il faut que je l'amène ici. Donc voilà, et que je sois extrêmement rapide ensuite. Mais comment? Alors, pas comme ça, du coup, pas comme ça du tout. Abe. J'ai pas fait gaffe, mais le dessin du panneau. Yes. Ça c'est fait. Il va falloir faire le chemin inverse en fait. Donc, qui dit chemin inverse dit save, dit je saute. Genre maintenant, mais encore plus, vite. Voilà. Et là, cher camarade, barrez-vous. Excusez-moi, madame, mais. Pardon? Allô? Allô la créature?
Allô? On fait quoi maintenant, hein? On lui jette des cailloux, vilaine. Ah oui, en effet, on lui jette des cailloux. D'accord. Sauvegarde rapide, il n'y a plus de créatures, on en profite. Hein. Allez. Faut partir, messieurs, dames. Mais... Oh punaise. Ok, Eden. Sauf que j'aimerais que les autres réagissent en fait. Hey there, Dylan. Eden. Faut les faire un par un. Il en reste combien? 3. Il en reste au moins 3. Bon, normalement c'est bon pour tout le monde. Allez. Tac. Ouais, c'est bon. Allez, zone secrète, c'est fait. C'était long là, je pense que ils auraient tous dû venir en même temps, mais bon. Alors, on revient ici. J'espère que je me souviens encore de ce qu'il faut. Comme musique des cloches. Dans le doute. Il y a une bête normalement là. Il en reste plus que deux. Saute, Abe. Il y a une bête ici, mais je pense que l'ascenseur peut m'intéresser en fait. J'espère que ça a compté comme quoi je les ai sauvés en fait, attendez. J'ai un doute maintenant.
Oui, c'est bon, ils sont sauvés. Les cloches, je les ai ou pas? Il manque une créature. J'ai pas pu faire ce que je voulais. Enfin, je tiens à savoir ce qu'il y a sur cet ascenseur. C'est, pour moi, s'il y a un ascenseur, c'est qu'il y a une raison, quoi. Je peux pas. J'ai pas pu bouger du tout l'ascenseur en fait. Mais genre pas du tout. Combien il y avait de Mudokons à sauver ici? 15. Il y a 3 zones secrètes. J'en ai découvert 2. Ah punaise, il est dans le mauvais sens. Ah. Très bien, bon, en attendant. Avant de partir, est-ce que il y a la zone secrète ailleurs en fait? C'est ça le truc. Je sais pas du tout à quelle porte je suis en fait. Porte 1. Porte 1. Je pense que je l'ai faite. Il n'y a pas de secret dans la porte 1. Donc c'est pas ici. Porte 2. Celle-là, je l'ai faite. Il n'y a pas de secret. Porte 3. Je pense que je l'ai faite. Quatre. Je sais pas. 5. C'est, je sais pas, je suis en train de passer en speed sur la Solus sans me spoil, juste pour savoir si je reconnais 2-3 trucs déjà faits ou pas.
Je crois qu'il y a une zone que j'ai pas du tout. J'ai fait le secret 1, j'ai fait le secret 3, mais j'ai pas fait le secret 2. Je suis en train de tout faire dans le désordre. Mais comme il y avait déjà un truc ici, je peux sortir normalement. Néanmoins, il y a cette histoire d'ascenseur ici qui me trigger un peu. Ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 portes. Il en manque 3. Pour l'instant, ça se passe relativement bien quand même par rapport à la nuit dernière sur la zone similaire d'avant. Bébête. Il n'y a pas qu'une bébête, il y en a des. Il y a le checkpoint, il est là. Elle veut pas sauter? Ah, c'est trop haut pour elle. Et vous voulez que j'y accède comment? Là-bas, moi, du coup. Ah, j'ai compris. Comme ça. Tout simplement. Allez, ça c'est le feu. Ça c'est bon. Là-haut, c'est juste l'entrée. J'ai rien d'autre à y faire. La bébête, elle est là. Allez, Abe, cours. Il y en avait une deuxième. Bon. Aïe, elle m'a touché. Ah! Le feu! Le feu! Le feu! Ah bah tiens. Regardez, voilà. Allez-y, battez-vous, Yugi. Nickel. Mais par contre, en fait, j'aurais voulu que tu sois de l'autre côté. Ouais, alors. Bon, j'aurais dû faire une save rapide, j'y ai pas pensé. Là, je reconnais. C'était pas intelligent. Thank you.
de l'autre côté. Mais non, mais battez-vous! Battez-vous en fait! Mais. C'est bon. Mais là, j'ai pas vu si elle m'avait suivi. Oui, maintenant oui, elle m'a suivi. Là par contre, danger quoi. Ah, elle fait un foot, d'accord. Elle a voulu faire un foot avec moi. Très bien, très bien, très bien, elle a fait un foot. Ah mais je suis bête. Voilà, ça c'est fait. Et la porte est ouverte. Par contre, zone cachée ici, non? Ok. Plus que deux. Alors, il y a un tuyau ici. Je pense qu'il faut que j'aille en bas. Enfin, en bas. Faut que je me suspende du moins. Alors, presque. Descends. Temps de réaction sur 20. C'est pas grave. Ce n'est pas grave.
pense que je suis obligé de faire passer la créature de l'autre côté en fait. Je vois pas comment je ne peux pas. Et elle a pas sauté. Et là, normalement, il n'y a pas de. Je réatterris ici. Oui, mais oui, la créature. Mais... Et là, elle me voit de loin et elle arrive à sauter, quoi. Donc. C'est gentil, mais. Je sais comment, moi. Ouais, alors, pas comme ça, du coup. Ouais, j'ai bien mangé, super bon poulet curry. Mais écoute, tant mieux. Il vaut mieux avoir super bien mangé, se faire plaisir en mangeant que de se forcer. Même si à un moment donné, quand on n'a pas faim, il faut bien manger. Mais... Je sais pas comment bouger la bébête. Comme ça, nickel, cours. Voilà. Et là, il y a un ascenseur. Ok. Alors, réfléchissons. Il y a tunnel, ascenseur. Là, comme ça, je dirais ascenseur en premier. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est peut-être tuyau en premier. Alors par contre, juste pour être tranquille, voilà. D'accord, donc en fait non, c'était bien ascenseur en premier. Et il doit y avoir quelque chose de caché dans la zone de toute façon. Planté, voilà. Que ça se passe bien. Bah à part le bot qui fait des siennes, je le vois, mais bon. Sinon, ça va. Je suis à 5 ou 6. Je suis à 6 portes sur 8 de fait. Donc c'est plutôt pas mal. Ah! Alors en fait, non, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Oh, attendez, je peux peut-être virer la créature. Ça serait drôle. Ça serait très drôle. Bon, par contre, je vais m'handicaper pour après, mais... Au revoir, la créature. Voilà. Alors, maintenant, à nous. Je pense qu'il y a quelque chose de caché dans la zone. C'est la sortie ? Bonjour. Ah. Et bonjour. Ah.
pense que dans cette zone-là, il y a un truc, vraiment quelque chose de caché en fait. C'est ça le truc. Mais je vois pas où. Abe, réagis. Là, il y avait rien. Là, il y avait rien. Bon, bah, je sais pas. Une porte en plus. Et deux zones secrètes sur trois de fait à travers toutes ces portes. Donc il reste encore une zone secrète que je n'ai pas trouvée. Mais il reste une porte. Donc peut-être qu'elle est sur la dernière porte. En vrai. C'est parti. À gauche ou à droite? Ah ok, on a directement... Oh punaise, il y a des chauves-souris! Pourquoi ils ont mis des chauves-souris? Voilà. J'ai directement la stèle. Il n'y a rien de caché ici. Ça, c'est l'entrée. Ah! Il y avait plusieurs chauves-souris. Je pense que ça va être l'invasion de chauves-souris. Ouais, exactement. Rien là. Je crois que c'est à droite. Je crois que j'ai vu un truc à droite. Mais laisse-moi. Voilà. Ouh. Oh, excusez-moi. Je réagis pas. Ouais, j'ai complètement mal save là. J'ai fait une bêtise. Bon, on va tester un truc. Juste avant, j'ai tapé la chauve-souris juste en haut et je me suis fait attaquer par la chauve-souris. Donc, je vais pas la taper. Résultat, il y a quand même des chauves-souris. Ok, le levier, il a servi à... Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Est-ce qu'il y a un passage en bas en boule? Non. D'accord. Thank you.
Alors, avant de faire quoi que ce soit, on observe. On a une bébête. Il va falloir courir, courir, courir. Sauter. Et après, je sais pas, c'est l'inconnu. Sauter mes bouboules aussi. Ok. Hop là. Descends, putain. Attendez. J'ai plus la musique là du coup. Techniquement, j'ai allumé le feu, j'aurais pu faire demi-tour. Donc, pourquoi il y a quelque chose comme ça ici ? Mais je n'ai plus la musique. Abe, punaise. On va voir, hein, mais à mon avis, j'ai plus les cloches. Ah si, ça les a gardées. Bon, ça veut dire que, quelque part, j'ai raté... Alors déjà, je me souviens de me manger des chauves-souris. Ça veut dire que quelque part, j'ai raté une zone secrète. Et pourtant, c'est pas faux de les avoir fait correctement, toutes ces portes. Hein. Et sans regarder, aucune porte n'a été regardée avec la Solus. Mais j'ai raté une zone secrète, quelque part. Je ne sais pas où. La logique voudrait que j'ai terminé la porte 8, donc... Je regarde juste un truc, savoir où est-ce que j'ai raté. Hein. Oh punaise, je sais où est-ce que j'ai raté la zone secrète. Oh punaise, et je peux pas revenir en arrière. Punaise. Bon, alors là, ça va être un rush comme la dernière fois. Je vais m'amuser. Il y a un témoin qui peut confirmer que t'as fait sans Solus. Oui. Ça s'appelle la VOD. Nice Carabanien, Ab découvrit qu'affronter les Scrabs est un jeu dangereux tant qu'ils ne sont pas découpés et broyés. Il reste très vicieux. Petit marqueur. Bisous YouTube. J'ai même... Attendez, il y avait écrit quoi? J'ai même pas compris. Égare, regarde, regarde. Regarde haut. Regarde au loin. Ouais. Ah d'accord, c'est exactement la même chose que l'autre fois. Donc en gros là c'est l'aperçu de la zone. Alors pour l'instant on a vu ça.
vais prendre tellement cher. Dans cette zone, il y a des gens à sauver ou pas? Non, il n'y a personne à sauver. Okay. Il y a des gens là-haut. Il y a tellement de bêtes partout. Mais je vais décéder tout le temps en fait. Là, en gros, ici, il faut pas se passer en haut. Se rouler en boule. Et tenter d'arriver ici. Il y a un levier. Il y a un levier en bas à droite aussi. Il y a un levier en bas à droite, mais il est excentré le truc. Ça commence bien. D'ailleurs, je me pousse par là. J'aurais pas dû me relever. Je fasse une save sur la plateforme d'en haut là. Ah oui, d'accord. Ok, stop. On s'arrête là. Et maintenant, il y a un ascenseur. J'ai dit qu'il y avait un ascenseur. J'en ai besoin de l'ascenseur en vrai. Bah non. Non, j'ai pas besoin de l'ascenseur en vrai. Bon alors, je sais toujours pas viser. Ok. Je suis pas sûr de pouvoir passer là en fait. Genre comme ça, je suis pas sûr de passer du tout en fait. Attendez, elle m'a rien fait. Je sais pas. Hein ? On va pas gâcher un truc là. Hop là !
Mais... Ok. Checkpoint. Il y a une de bête sur l'ascenseur à côté. Ah! Enfin, ça revient au même en fait. Après, c'est la porte. Reste à savoir comment je vais faire. Il y a un levier, il y a deux leviers. Pourquoi il y a deux leviers? Et elle reste là en plus. Je crois que j'ai compris. Alors, oui, non. Non, non, non. Je vais bouger un peu la carte. Oui, elle a bougé, c'est pas grave. Hop là. Ah! Nickel. Mais Ibe était transformé et sans se l'expliquer. Une autre cicatrice attend son autre main. Est-ce que c'est toujours la même zone? La porte, une fois la porte passée. Ouais, c'est pas terminé. On est toujours dans la même zone. Ah non, c'est que du décor ça, d'accord. Alors là, il y a un puits. Ok. Là, il n'y a rien de particulier. J'ai le droit de descendre là ? Bah. Pardon, mais je fais quoi ici?
C'était pas ça. C'était pas ça. Fallait juste reprendre le même puits, sérieusement. J'aime pas quand il y a le reflet comme ça lumineux, je vois rien. Moi. Et maintenant. Ok. Ah. Tac. Oh, le petit peu graphique en fond, on le voit. Vous aussi, vous le voyez. Alors, le puits de sortie sera là, d'accord. Allez, cinématique. Ma mission était terminée. Je pensais me reposer. Mais le grand visage me révéla que ma quête n'était pas achevée. Les deux cicatrices au dos de mes mains pouvaient détruire Rupture Farms et rétablir l'harmonie des temps anciens. Le puits ramène Abe des sables blanchis par le soleil. Une cicatrice scrap gravée sur le dos de sa main gauche. Ok. Tu reviendras. Et je suis revenu. Là, normalement, on va se retrouver devant le totem. Hop, 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 hop. J'ai mal à la nuque. C'est quoi ça déjà? Ah, mais on l'a déjà vu 50 fois. Enfin, 3 fois. Et voilà. Du. Alors, maintenant. Terminé. Ok. Faut bien que j'aille ici. Ah bah tiens. L'élu. Je suis l'élu. Je suis les biscuits. Les biscuits, l'élu. Ah. C'est Woody Woodpecker avec le masque en fait. Par les cicatrices de mes mains, les esprits ont pris forme. Tu m'étonnes que les gamins avaient peur de jouer à ça. À présent, mon pouvoir est puissant. Tu peux trembler, Rupture Farm. Pardon. Comme quoi, un gringalet maladroit peut quand même sauver le monde, hein. Prenez-en de la graine, tout le monde. Je scintille. Épilepsie sur 20. Ah mais j'ai que 2 pouvoirs. Comment je fais moi maintenant? Les anneaux rouges entrant, patati patata.
Je les ai éclatés. Bah, limite. Là, j'ai plus de pouvoir. Du coup, si je reviens là, est-ce que je récupère des pouvoirs? Rendez-moi les pouvoirs! Non. Je sais pas comment récupérer les pouvoirs, s'il y a une chose spécifique ou pas, du coup. Allez, je pense que c'est la fin de la zone. Bisous YouTube.